Radio en mai. Imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage. Molière n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la bouche plus grande que petite. Quand je vais lire ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop son pour mon âge. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Voilà, par rue Saint-Jean, on se retrouve. Septième émission, septième édition de l'émission Radio en mai, théâtre en mai. On continue notre parcours dans le festival. On continue à la fois de vous présenter les invités qui font le festival, c'est-à-dire les artistes, les auteurs, les écrivains, les interprètes, les danseurs, les compositeurs. Aujourd'hui, on s'intéressera peut-être un peu plus au son dans l'émission grâce à un reportage qu'a pu faire Alexandre Planck dans les coulisses de l'installation du spectacle qui sera présenté demain, ceux qui vont contre le vent, ceux qui vont emportés par le vent, ceux qui par autant le vent racontent des histoires très belles. Et puis on aura évidemment la chronique des lectures avec les comédiennes qui sont ici, qu'on commence à bien connaître, le petit groupe des comédiennes en professionnalisation. Et puis on ira aussi du côté de la disparition de la mémoire pour un spectacle autour du texte. Sur le texte, on n'est pas là pour disparaître, mais on est là pour apparaître aussi, évidemment. Et c'est le premier temps de notre rendez-vous. On a la chance d'accueillir Sabine Pacora qui arrive du train. Un petit passage d'abord par France Bleu, c'est important. C'est bonjour Sabine. Bonjour. L'arrivée depuis Paris. Bah, magnifique, c'est l'été. C'est l'été. Il fait beau. La robe est blanche. Voilà. Je me suis adaptée à ce climat estival magnifique. C'est la première fois, Sabine, que tu viens à Dijon ? Alors, j'étais venue, mais il y a longtemps, j'avais fait une comédie musicale qu'on avait jouée au Zénith. Je crois que c'était en 2010. Donc ouais. Ça fait une dizaine d'années, voilà. C'était quelle comédie musicale ? C'était la comédie musicale Kirikou. Kirikou, d'accord. Kirikou et Caraba, la sorcière. D'accord. Là, tu reviens avec un spectacle que tu as créé toi, tu as écrit, mis en scène et interprété. Oui. Tu dis c'est un seul en scène. Hein. Un seul en scène. Voilà. Mm. Alors, c'est un spectacle donc, qui te tient à cœur, que tu as créé quand ? J'ai décidé de créer ce spectacle après la montée des marches qu'on a fait avec mes concerts du livre « Non, n'est pas mon métier » parce qu'il m'importait de trouver les moyens de mon émancipation pour sortir des images clichés dans lesquelles on m'assignait en fait une identité de femme dans laquelle je ne me retrouvais pas. Et du coup, j'ai eu envie en fait de trouver les conditions de ma propre émancipation à partir de l'écriture et en montant ce texte. Donc au début, je ne savais pas vraiment ce que j'allais écrire. Je savais que c'était sur la thématique de la stigmatisation, notamment dans mon métier de comédienne. Au théâtre et au cinéma en particulier. Et puis voilà, ça a été une aventure, l'écriture déjà. Et puis la mise en scène et le fait de faire tout ça. C'est un spectacle qui est intitulé, avec un jeu de mots, qui est intitulé L'Afrique. Et puis un petit sous-texte. Hein. L'Afrique, journal d'une femme vaudou. Voilà. L'Afrique, c'est à la fois l'Afrique, mm-hmm. hein, le continent, mais c'est aussi l'Afrique, le monstre. Hein ? Exactement. C'est tout ça que tu réussis à déployer dans un spectacle qui ressemble à une succession d'épisodes de vie. Oui. Avec un peu d'imagination, mm-hmm. avec beaucoup de costumes. Quelques costumes. Et ta vie, telle que tu nous la présentes, c'est la vie d'une comédienne noire mm-hmm. qui est systématiquement stigmatisée dans des rôles de subalterne, de rôles silencieux. Mmh. Alors ça va de
Ils sont nombreux au théâtre. Oui, la femme de ménage, prostituée, femme sans papier. Enfin, c'est l'image de la femme migrante de façon générale, de la maman africaine. Enfin, voilà, des figures effectivement subalternes, ouais. D'un point de vue économique et puis d'un point de vue politique. Hein, sont aussi des gens, des personnes qui sont invisibilisées d'une certaine manière dans la société, qui n'ont pas vraiment voix au chapitre, qu'on n'entend pas toujours, mais qui sont quand même stigmatisées par le regard des metteurs en scène du métier, et puis aussi par le point de vue dominant bourgeois blanc. Oui, voilà. Et ils sont nombreux, t'en as croisé pas mal. Et alors, ce qui est intéressant dans le spectacle, la Freak, c'est comme ça qu'il faut dire. Oui, oui. tu croises à la fois des expériences, en tout cas qui semblent être des expériences réelles, et puis un monde de rêve ou de fantasmagorie où tu interprètes, où tu joues différents rôles à travers des images que tu crées avec plus de plaisir. Et on a entre autres passages une histoire qui est peut-être réelle quand tu es jeune comédienne et tu te déguises en Mickey avec pour une bar mitzvah d'un jeune homme. On voit toute la complexité. Tu racontes aussi ton rôle de comédienne dans Phèdre de Racine, où évidemment on t'assigne au rôle de la servante qui globalement n'a rien à dire. Je te verrais super bien dans le rôle de nonne. Et là, c'est un silence. Et comme t'es arrivé avec le texte sous le bras. Et qu'on veut un peu avoir la saveur de ce que tu dis, parce que c'est un spectacle qui est aussi manifeste. Hein, on peut dire ça comme ça. Bah oui. On veut bien écouter le prologue. D'accord. Tu le lis, tu le joues, tu fais comme tu veux, Sabine Pacora. J'ai l'impression qu'on attend surtout de moi une apparence physique de femme noire et ronde, qui colle à un inconscient et un imaginaire entremêlé de fantasmes et de préjugés que je qualifierais de colonial. J'incarne principalement des personnages envisagés comme des métaphores de la marginalisation au travers de femmes migrantes aux statuts et conditions socio-économiques particulièrement difficiles, des domestiques, des prostituées, des femmes sans papier, des marâtres cupides, mal intentionnées, ridiculisées. Je joue toutes les déclinaisons possibles de la mama et de la putain africaine, des personnages hauts en couleur, sans capital intellectuel ou économique. Mama, Fatou, Alimata, Fanta, mes personnages construisent une image de l'autre purement exotique. Ils apparaissent comme des parenthèses anecdotiques. Ils représentent des instants de respiration, de relâchement soudain, de truculence exacerbée, comme un clown personnifié qui apparaît et canalise les tensions, les angoisses, les peurs et les pulsions. Ces personnages sont systématiquement en surreprésentation physique, couleurs flashy, coiffures exubérantes, explosives, et en même temps, ils sont complètement absents, car on ne sait pas grand-chose d'eux, de leur histoire. Merci Sabine Pacora, extrait du début du spectacle. Donc tu présentes le principe, la chose. Oui, ben là, je pense que ce Est-ce que cet les extrait... choses ont évolué ? Non, vas-y, je te coupe pas la parole. Non, je dis que cet extrait synthétise assez bien la problématique de la stigmatisation et de l'assignation. Oui, t'es dans le décor, en fait. Tu fais partie du décor avec tous les clichés qu'on associe. Oui, oui, on peut dire ça. Est-ce que ça change un petit peu ? Ça fait combien de temps que tu es comédienne ? Oui et non. Je suis comédienne professionnelle et que je vis de mon métier vraiment depuis, je dirais, 2007 et 2010, vraiment sérieusement, parce que. Enfin, 2011. Là, j'ai un réseau. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, pour créer un réseau, déjà, c'est à peu près 3 à 5 ans. Et à partir de 3 à 5 ans, on peut commencer à travailler. Voilà. Donc, depuis 2011, je travaille assez régulièrement en tant que comédienne, particulièrement en cinéma, télé. Alors,
je dirais que ça change un petit peu. Ça commence à s'ouvrir. Mais alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que les productions sont très à la recherche de jeunes, on va dire, de 16 ans, de 12 à 25 ans. Et je dirais que pour les personnes qui sont dans la trentaine, quarantaine, je ne suis pas sûre de parvenir, en fait, à faire partie de ces changements qui sont vraiment des micro-changements quand même. Oui, t'es arrivé un peu trop tôt, c'est ça ? Oui, je pense. Je pense. Mais c'est pour ça que... Tu pourrais peut-être prendre un temps d'avance, jouer la vieille femme noire de la prochaine fiction. Comment est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Non, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de productions anglo-saxonnes, américaines par exemple, qui viennent tourner en France. Et du coup, elles sont particulièrement en demande de casting particulièrement diverses. Voilà, et de la diversité d'un point de vue racial, la diversité des corps, par exemple. Moi, je sais aussi que dans le cinéma français, c'est plus compliqué de travailler quand on est une comédienne grosse, parce que il n'y a pas de personnages qui sont écrits pour des comédiennes grosses, ou bien c'est des personnages anecdotiques, d'une certaine manière ridiculisés, mais il n'y a pas de personnages à la psychologie complexe. Et alors, d'un point de vue racial, c'est compliqué quand on est une minorité raciale, mais c'est, je pense que ça l'est encore plus quand on est une femme grosse, parce que effectivement, la beauté étant circonscrite au fait d'être une femme mince, par exemple, il n'y a pas de scène de baiser, avec des femmes noires ou avec des femmes noires et grosses ou avec des femmes grosses, c'est plus difficile. Et donc là, les productions américaines qui sont très en demande de la diversité, du coup, c'est vrai que moi, je passe pas mal de casting. J'en ai réussi quelques-uns et donc je suis plutôt très contente. Mais alors donc, tu ne seras pas une vedette française, Sabine? Je serai une vedette internationale. Bacora. Oui, voilà. bravo, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et puis merci à ton travail, justement, de savoir. C'est dur quand même de parler de soi, non, sur scène? C'était nécessaire, indispensable, il faut y aller, quoi. Non, je sais pas comment après, dire. Après, en fait, je pense que quand on est sur le plateau, je pense que quand je suis sur le plateau, c'est pas moi, en fait. Bien sûr. Voilà. Je pense que le plus difficile, ça a quand même été l'écriture. Et de donner mon texte, de le faire entendre la première fois que j'ai fait une lecture, je me suis dit, mais... Pourquoi t'as écrit ce texte? Pourquoi t'as invité c'était parce que j'avais peur, en fait, parce que je savais pas du tout quelles allaient être les réactions. Et je pense que on se met très très à nu quand on s'écrit, quand on se raconte, en fait. Merci beaucoup, Sabine Pacora. C'est à voir de vendredi à dimanche sous les applaudissements. Merci. Du public à l'Athénéum, et demain, je sais que les horaires changent, et demain c'est à 18h30. Merci Sabine. Alexandre, je crois que tu es allé te promener là dans le théâtre Parvis Saint-Jean aujourd'hui. Ah oui, je suis encore allé me promener aujourd'hui, comme tous les jours. Il y a deux jours, on a suivi un démontage d'un spectacle, des 4 points cardinaux. Et aujourd'hui, j'ai voulu voir ce que donnait un montage de spectacle. Donc je suis allé fourrer mon nez dans la construction du décor de Ceux qui vont contre le vent de Nathalie Béas. Et je suis allé rencontrer Nicolas, l'Espagnol Rizzi. Alors, je l'appelle au début, il est là parce que l'équipe est en face de moi, j'ai peur qu'il m'engueule. Je l'appelle au début le créateur sonore, il m'a expliqué après qu'il y avait un autre créateur sonore, donc je m'en excuse platement face à toute l'équipe. C'est réparé dans le reportage, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas d'ambiguïté. Et on écoute ça tout de suite, Nicolas qui nous raconte comment on implante un système et comment on travaille le son au théâtre. Voilà, j'arrive au Parvis Saint-Jean sur le plateau de répétition. Et ils sont en train d'installer le décor de Ceux qui vont contre le vent, mise en scène par Nathalie Béas.
Mais non. Je vais grimper en haut des gradins et je vais retrouver Nicolas qui a fait toute la création sonore du spectacle. Alors les gens sont en train de s'affairer sur le plateau, là, il y a une table, un piano et un grand tissu tiré avec un verger et de très beaux arbres. Et je m'approche de Nicolas. Salut Nicolas. Tout s'installe. Ça y est. On est presque prêt. Qu'est-ce que tu fais toi ? Alors moi ce que je fais c'est que donc je m'occupe de la diffusion des musiques qui ont été composées par Julien Parcy pour le spectacle. Beaucoup de musique ? Beaucoup de musique et uniquement des musiques originales. Donc ça c'est toujours un peu sympa et puis on a eu le plaisir de terminer le mixage et un peu mastering avant la diffusion avec Julien et c'était super parce que j'adore son travail. Tu peux nous raconter un peu pour les gens qui connaissent pas, qui savent pas comment ça marche le son au théâtre, comment est-ce que t'envoies, comment est-ce que tu sais à quel moment il faut faire partir un son ou une musique, quel matériel t'as devant toi? Alors devant moi j'ai ce qui rassemble tout, c'est la console de mixage, donc qui rassemble toutes les sources, aussi bien celles qui peuvent nous venir des micros du plateau par exemple, et les musiques que Nathalie et puis Julien le compositeur ont décidé de mettre pour le spectacle, et elles sont diffusées à partir d'un ordinateur et d'un comme un gros multipiste sur lesquels on peut envoyer des musiques, mais aussi on peut envoyer des changements de diffusion dans le dispositif d'enceinte qui a été monté pour le spectacle. Ça veut dire que c'est toi qui fais bouger le son en temps réel? Oui, c'est ça, c'est bouger le son, c'est plus des vagues immersives quoi, qui viennent un peu plus en salle ou qui sont un peu plus ramassées au plateau pour créer du relief et un peu de profondeur. C'est de la composition sur la composition. Ouais, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation de la composition. Tu peux nous lancer un son? Ouais. Comment il s'appelle? Un son doux ou... Un son comme son, tu veux. Un son que j'aime bien. Il s'appelle Ghost. Et Nathalie, elle aime bien que les sons, des fois, on les entend à peine arriver et on se rend compte à un moment donné qu'ils sont là. Ça se passe quand vous vous déplacez, le spectacle a beaucoup tourné, quand vous vous déplacez d'un lieu à l'autre, c'est une implantation complètement différente. Toi, la manière dont tu retravailles l'acoustique, là je veux dire on est quand même dans une boîte noire, dans une église, ça change considérablement. Vous aviez joué à Avignon, le spectacle a été créé là-bas, c'était des conditions encore complètement différentes. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois c'est différent et du coup, moi ça fait une bonne vingtaine d'années que je pratique et la composition et la régie. Du coup, c'est vrai que je fais toujours un peu le même type de dispositif et du coup c'est ce dispositif que j'adapte et une fois qu'il est adapté, je sais que les musiques dedans, une fois que j'ai fait mon volume, je m'y retrouve complètement. Mais c'est vrai que du coup ça demande d'avoir quand même pas mal de en nombre d'enceintes, il y en a quand même un petit peu. Enfin, il y en a un petit peu, on en a 4 au fond, 4, 8, 8, et là il doit y en avoir 6, 8, ouais quand même, 8 et 8, 16. On a une petite vingtaine d'enceintes, 20, 22 enceintes. Pour une salle comme ça, de 2 à 300 personnes, c'est pas démesuré, mais c'est là. Toi, t'arrives au début des répétitions ? Assez vite, ouais, assez vite, parce que Nathalie, elle aime bien aussi qu'on ait en nous d'où sont venues les choses, comment c'est sorti et d'où ça vient, et ce qu'on a abandonné sur le chemin. Tout vient nourrir justement l'interprétation qu'on va donner après, parce que c'est qu'un geste, hein, c'est que des doigts qui font un geste. Du coup, il faut le faire d'une certaine manière. Et quand on l'a loupé, comme un instrumentiste qui va mettre un pain, bon, bah, c'est pas un drame, il faut être reconcentré pour continuer et puis et rester connecté avec le plateau. Et avant qu'on s'en aille, Nicolas, tu peux nous mettre un deuxième morceau ? Move Your Body. Et ben, on se quitte là-dessus, merci pour tout.
on a la chance d'entendre des textes qu'on ne connaît pas, des textes d'auteurs contemporains qui sont portés par les voix des jeunes comédiennes qui ici ont un contrat de professionnalisation. Voilà, depuis le mois de septembre, elles sont là, elles travaillent, parfois elles jouent, même en ce moment elles jouent, un spectacle qui s'intitule Mère. Et ce soir, mes amis, qu'est-ce que vous allez nous lire ? On va vous lire un texte de Anna Nozière qui s'appelle Oiseau. Et voilà, c'est notre dernier rendez-vous avec vous sur Radio Ormé. Colline vous parle. Voilà. Et avec Lucille. Et c'est un texte qui a été envoyé directement au TDB. Et voilà, on est ravis de vous le lire. Lucille avait déjà lu un premier extrait de ce texte-là. Oui, j'avais lu le monologue du début de Mustapha, qui est un petit garçon qui vient de perdre son papa et qui essaye de gérer son deuil. Et là, c'est la suite. Et en fait, il parle avec son amie Pamela parce qu'elle, elle a perdu son chien. Et pour eux, leur deuil est énorme et il faut qu'ils trouvent une solution pour en faire quelque chose. Et vous allez voir, les adultes, ils sont pas trop contents. Du coup, je vais continuer à lire Mustapha et Colline va lire Pamela. On peut dire que tout a commencé avec une boîte à camembert. La maîtresse en avait colorié une pour ranger des bricoles dedans. Elle disait qu'on pourrait en faire d'autres pour Noël. Pamela m'a demandé si j'allais offrir une boîte à camembert à mon père. J'ai eu envie de pleurer, mais j'ai un peu rigolé. Qu'est-ce que vous racontez là-bas ? A demandé la maîtresse. Rien. Rien ? Ça n'existe pas, a répondu la maîtresse. Allez, prenez vos cahiers. Mustapha, qui met le E près du O ? Le pigeon. Très bien. J'ai écrit « Oui pour le cadeau » sur le cahier de Pamela. La maîtresse m'a vu faire, elle a attrapé le cahier et elle m'a demandé « Oui pour quel cadeau, Mustapha ?»« Oui au camembert colorié pour mon père. » La maîtresse a fait une tête bizarre. Elle a bafouillé qu'elle n'avait pas cette boîte et que de toute façon, on verrait ça à Noël. Quand on est revenu en classe lundi, j'ai sorti 3 boîtes de camembert de mon cartable. J'ai proposé d'en ramener encore d'autres. J'ai raconté que mon cousin était fromager. Écoute, Mustapha, a dit la maîtresse en trifouillant dans les crayons pour cacher sa tête, on a dit qu'on verrait ça à Noël. Je me suis levée, j'ai donné un gros coup de poing dans le mur. Oh ! Tout le monde s'est mis autour de moi. Mustapha ? Mustapha, tu pleures ? M'a demandé la maîtresse avec une voix qui tremblait. Ne vous inquiétez pas, Madame Ben Bachir, on va expliquer à Mustapha, a dit la directrice de l'école en faisant un grand geste de séparation. Pour les vivants, il y a Noël et pour les morts, il y a la Toussaint. Pamela trouvait que c'était ridicule cette histoire de fête séparée. Elle disait qu'on pourrait faire un barbecue pour mon père ou même pour Calamar, son chien. Dans la cour, elle a commencé une liste. Merguez, saucisses, brochettes, des tentes au cas où il pleuvrait. Elle a découpé des papiers où elle a écrit en majuscules « Si tu aimes tes morts, viens avec nous ». On les a distribués à l'entrée de la cantine. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé un CP. « On organise une fête. » Il a demandé « Y aura des frites ?»« Je suis désolée, Madame Cayolle, » a dit ma tante qui s'occupe de moi quand mes parents travaillent. « Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils font de mal. » La directrice a expliqué que je venais de perdre mon père. « Raison de plus pour fêter ses morts ?» a répliqué ma tante. « Vous savez, moi j'ai perdu mon frère. » Il adorait la danse. Eh bien, pour son anniversaire, j'ai dansé quelques pas au cimetière. Madame, a dit la directrice en posant les mains sur son bureau, vous n'avez pas encouragé toute une école à faire un bal entre les tombes. Ma tante a dit que ça aurait été très beau. Si vous le prenez comme ça, a dit la directrice. Je ne le prends pas comme ça, Madame Cayolle. Je ne partage juste pas vos peurs, c'est tout. Cette fête ne fera pas mourir les vivants de toute façon, alors qui elle peut bien déranger ? La tante de Pam a serré la main de la directrice et, traversant la cour, elle a fait coucou à Pamela. La directrice les regardait au loin. Un peu de cœur, de liberté, a lancé ma tante en passant le portail. Allons, Madame Cayolle, un peu de fantaisie. Le lendemain, Pamela a posé fièrement sur notre bureau un pot de crayon. Calamar. Lucille et Colline. Merci, bah au revoir. Ouais, merci beaucoup. On vous souhaite une belle carrière de comédienne. C'est que le début. Allez, faut y aller, faut être généreuse, travailleuse, joyeuse, amoureuse. On vous le rendra, nous, le public. Et vous savez que tous les soirs, on a une chronique assez spéciale. On a un envoyé spécial en direct du festival. On a les moyens, Radio Ormé. On s'est offert les services de Stéphane. Les services d'un spécialiste de la radio. Voilà, en mais plus. Va-t-on réussir à lui parler ? Parce qu'il va avoir un spectacle. L'émission est en retard. Est-ce que le spectacle n'a pas encore commencé ? On essaye tout de suite de l'appeler. Le principe... Allô ? Salut Stéphane.
Salut Alexandre, ça va ? Ouais, ça va. On pensait que tu étais peut-être rentré dans la salle. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. 20h45, je suis au consortium, pour tout te dire, dans la cour intérieure du consortium, Centre d'art contemporain de Dijon, où va être présenté ce soir Altamira 2042. Et comme à chaque fois, j'ai rencontré des gens. C'est ça qui est sympa. Alors, c'est assez rigolo parce que Jean-Louis, salut, bonsoir. Bonsoir. Et Lucie ? Bonsoir. Jean-Louis, c'est un peu l'arroseur arrosé avec toi parce que je fais un peu l'anthropologue du spectateur pendant toute la durée du festival et je me rends compte que toi tu es anthropologue mais un vrai. Ouais. Et en général, je déteste être interviewé. Tu sais ça. Alors, on va retourner le micro. Non, on va pas faire comme ça. qu'est-ce que tu vois là quand tu viens dans un spectacle comme celui de ce soir ? Qu'est-ce que tu vois dans les files d'attente ? Parce que tu regardes les spectateurs forcément. Après, ce que je disais, je trouve qu'il y avait une moyenne d'âge assez élevée, mais peut-être parce que je n'ai pas la vue sur tout, aussi peut-être des jeunes par ici, voilà. Et pour l'instant, je suis dans l'attente. Et dans l'attente d'un spectacle aussi, tu t'es décidé il y a quelques minutes à venir ce soir. Ah non, pas du tout. Non, celui-là, je l'avais repéré, parce que j'ai lu un article sur le spectacle, et donc ça m'intéresse beaucoup de le voir. Donc j'étais très, très content de voir qu'il passait à Dijon, voilà. C'est le seul spectacle que tu vois dans Théâtre en Mai ou il y en a eu d'autres ? Alors, justement aujourd'hui, j'ai pris des places pour demain et après-demain, je ne me souviens plus des noms, des titres. C'est pas grave, c'est jusqu'à dimanche, hein. Il y a de quoi faire, samedi, il y a de quoi voir. Vendredi, samedi, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos quand tu viens voir un spectacle comme ça ce soir ? Alors là, je suis bien emmerdé parce que je ne pouvais pas mettre mon portefeuille dans une poche parce que je n'ai pas de poche, donc je suis obligé de prendre mon sac à dos. J'ai rien dans mon sac à dos. Gros portefeuille ? À part mon portefeuille, oui, il n'y a que ça. Tu penses que tu vas partir avec un sac plein ? Non, mais ce n'est pas des choses qui se transportent comme ça. Et tu peux peut-être lui demander si les spectateurs sont toujours de plus en plus vieux ? Si tu veux. Stéphane ? Oui, Aude, oui. Tu peux demander à notre anthropologue du spectacle s'il a vu que les spectateurs étaient de plus en plus vieux depuis qu'il a commencé sa carrière d'anthropologue. Ah oui, on se demandait si depuis que tu as commencé ta carrière d'anthropologue, si la moyenne d'âge des spectateurs avait augmenté avec toi. Ici, à Dijon ? De manière générale. Ah ben, je sais pas, moi je suis resté jeune, donc ça ne me concerne pas cette affaire-là. En tout cas, il y a un bel accent du sud de Dijon, là. Hein. Ah, ben oui. Merci Marseille, Stéphane. La capitale du monde. Merci Jean-Louis. Merci Lucie. Et bon spectacle. Merci Alex. Et ciao, bon, à très vite. À très vite, Stéphane. Pour l'instant, tu m'aides à parler. C'est-à-dire que tu fais un peu de la musique comme ça dessous. Ah, d'accord, oui. Pour l'instant, elle m'aide à parler. Elle fait de la musique un peu comme ça, dessous. Elle s'appelle Rebecca Meyer. Elle a plusieurs activités dans la vie. Elle est à la fois compositrice, interprète, musicienne pour la radio, en mai. Elle a composé la musique pour un spectacle dont on va parler dans un instant, qui est un spectacle qui se joue au Théâtre du Feuillant. Et qui est tiré du livre d'Olivia Rosenthal, On n'est pas là pour disparaître, on entendra un extrait tout à l'heure. Mais c'est aussi une compositrice qui a une carrière solo. Elle a sorti un album il y a quelques temps, où elle fait de la musique expérimentale sur des poésies. Et puis aussi, elle fait les choses en duo avec un musicien qui fera un concert. On est en groupe, on est 5, qui est un groupe qui s'appelle San Ferian, avec Étienne Meunier. On a créé ce groupe il y a un an et on sera en concert le 28. Elle s'appelle Rebecca Meyer. Et qu'est-ce que tu vas nous jouer, Rebecca ? Je vais jouer le morceau By the By, qui du coup on a créé avec notre groupe et qu'on jouera dimanche aussi. Promise.
in time next to distorted shells. Merci Rebecca Meyer. Merci à vous. Waouh. Alors en face de moi, j'ai des gens assez subjugués qui te regardent. C'était tellement beau. Il y a des chaises longues. Et dans ces chaises longues, il y a Catherine qui vient de s'asseoir avec un monsieur parce que chaque soir, Catherine invite une personne qui connaît ce théâtre depuis, disons monsieur, un certain nombre d'années à venir raconter des histoires et des anecdotes. Ah oui, je vois le monsieur surpris, c'est à vous. C'est à vous. Catherine, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors ce soir, on reçoit monsieur François Gérard qui va nous présenter ses souvenirs mémorables, dont un en venant au TDB que tu tiens à nous faire savoir. Oui, en passant sur le parvis de la gare de Dijon, là, il y a quelques minutes, je vois un monsieur assis qui attendait. Et ce monsieur, c'est Alain Renaud. C'est quelqu'un qui était là quand le TB s'est installé à Dijon. C'est lui qui accueillait le public. Et c'est quelqu'un que je n'ai pas revu, que je n'ai pas vu depuis 20 ou 30 ans. Et là, en venant au Parvis Saint-Jean pour raconter des souvenirs, je vois ce monsieur, Alain Renaud. On a discuté 5 minutes. Il habite plus Dijon depuis des décennies. Et c'est quand même... ça m'a bien plu, cette rencontre comme ça, juste avant d'arriver ici. Comme quoi ? Comme quoi ? Faut que je dise d'autres choses. Bah, disons que vous, alors, vous avez le micro. Alors quand on a le micro, on... C'est un petit peu affalé, là, monsieur. Tu sais chanter ou quoi ? Ou tu connais une poésie ? Je préfère vous raconter des trucs. Ah, mais attends, alors... hop, on se lève, on est debout, et puis en plus, avec un physique comme tu as, c'est bien que les gens te voient. Oui. Alors, comment dire ? Ce dont je me souviens, c'est le côté bricolé. C'est-à-dire qu'au début du théâtre en mai, ça bricolait. Et au début du TB, ça bricolait aussi. En théâtre en mai, au début, c'est parti d'un prof de maths, hein, le théâtre en mai. Un type qui bossait dans un lycée, et du directeur d'une petite... d'une troupe théâtrale qui s'appelait le théâtre de Bourgogne. Et au début, il y avait beaucoup de bénévoles.
qui allait chercher les gens à la gare, qui les amenait. Et j'ai un copain qui était bénévole, et un coup, il est allé voir un studio que quelqu'un avait mis à disposition pour des intervenants. Et il m'a dit, j'ai passé ma journée à nettoyer le studio. Et c'était pas possible d'accueillir quelqu'un là-dedans. Voilà, un petit peu le bricolage, le genre de bricolage qu'il pouvait y avoir. Et pour le TB, qui s'appelait oui, le TB, pas le TDB, au début, c'était une église qui avait été désaffectée. Et la bonne bourgeoisie dijonnaise s'était beaucoup émue que des théâtreux viennent dans une église. Et ça avait servi de réserve à foin. Alors le foin, oui, mais les comédiens, non. Et au début, il n'y avait pas grand-chose d'installé, ce qui fait qu'on s'asseyait sur des bancs très durs. Il faisait un froid de canard, donc on amenait nos couvertures. Et sur scène, de temps en temps, les lumières disjonctaient. Et donc quelqu'un courait remettre le disjoncteur. Et je me souviens d'une dame qui s'appelle Ariane Louchkine et qui était venue jouer la cuisine d'Arnold Webster ici. Et pendant son spectacle, ça a disjoncté 4 fois. Et le spectacle d'Ariane Louchkine, il y avait beaucoup de gens sur scène, une espèce de chorégraphie pour la cuisine. Et donc à chaque fois, il fallait arrêter, faire machine arrière, tous les comédiens se remettaient dans une position repérée à l'avance, je vous le répète, et repartaient. Et ça redisjonctait. Ça fait ça 4 fois. Ah, c'était beau avant, ouais. quand ça foirait un peu. Hein. C'était ça, la bricole. C'était pas trop la vie des gens qui étaient sur scène, j'ai l'impression. Ah, mais c'est bien quand ça bricole. Oui. Ça fait des souvenirs. Oui, je pense surtout pour ceux qui étaient là ce soir-là. Sur scène. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah bah, ça sera pour l'année prochaine, je crois. Ah hein. Oh, si, je peux vous raconter un truc. Ah, encore? Bon, si tu si tiens, nous, on est ravis d'être avec toi. Parce que je voudrais deux souvenirs. En théâtre en mai, un coup, je traverse une cour après un beau spectacle de François Tanguy. Et il y avait François Tanguy qui était dans la récemment cour. Décédé. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie aussi d'un peu d'en parler. Théâtre du Radeau. Théâtre. Et Tanguy était tout seul dans la cour, et avec ma compagne, on passe, et on lui sourit, il nous sourit, et il vient vers nous, et on lui a dit, moi je lui ai dit tout ce que je trouvais formidable dans son théâtre, et il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé, et il a pris ma compagne dans ses bras, et il l'a embrassé aussi. Et un de mes souvenirs, et j'arrêterai là-dessus, au TB, c'était le jeu de Faust par François Tanguy. Et j'avais jamais vu un spectacle comme ça. J'étais fasciné, je trouvais ça extraordinaire. Ça l'était. Et pendant que je regardais fasciné, le TB se vidait complètement. C'est-à-dire, il y avait des rangées entières qui se levaient et qui partait. Et le TB, je suis allé voir le spectacle 2 fois, et les 2 fois, il y avait une hémorragie comme ça. Les gens partaient. Et c'était un des plus beaux spectacles que j'ai vu. Et voilà. On est parti dans le souvenir avec François Gérard, qui a fait réapparaître un grand metteur en scène, François Tanguy, qui a beaucoup travaillé le théâtre, la disparition, les présences incertaines, et pourtant, et qui vivent encore dans notre mémoire. De la disparition, bah voilà, Mathieu Touzé. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver là, Dijon-Vos aussi. Exactement, on sort du train. Vous sortez du train, hop. Vous êtes un homme plein d'avenir. J'espère. Vous êtes metteur en scène. Vous êtes aussi directeur d'un théâtre. Exactement. Alors lequel, où, comment?
Alors, je dirige avec Édouard Chapeau le théâtre 14 à Paris, qui est un théâtre municipal de la ville de Paris. 14 pour 14e arrondissement. Car il est en effet situé porte de Vanves. Donc, dans le sud de Paris. Vous mettez en scène un spectacle qu'on pourra voir ici à Théâtre en Mai à partir de demain, au Théâtre des Feuillants. Un comédien seul et unique sur scène. Presque. Presque, qui s'appelle Yuming He. Que vous aimez beaucoup. Eh ben que oui, j'aime énormément parce que je pense que c'est l'un des plus grands acteurs actuels et j'ai la chance de travailler avec lui depuis très longtemps et d'avoir d'ailleurs fait presque une grande partie de mon chemin avec lui. On s'est co-construit, je pense. Et comment est-ce qu'on se co-construit dans le travail théâtral? Ouais. Et presque. Il est seul et pas vraiment seul, c'est ça que exactement, vous voulez dire. Il est seul et puis en même temps il est en dialogue, principalement avec Rebecca Meyer qui fait de la musique en live et qui dialogue avec lui sur sa partition. Il est nombreux à l'intérieur de lui-même parce qu'il joue tous les personnages de la pièce. Et il dialogue aussi avec La Lumière de Loris Lalouette, avec les vidéos de Justine Aymar. C'est un travail total où tous les arts sont tissés ensemble. C'est un travail donc, qui repose sur le texte de l'autrice Olivia Rosenthal qui a écrit « On n'est pas là pour disparaître », qui est d'ailleurs en vente à la librairie éphémère du théâtre. Un très très beau texte qui est fait de plusieurs voix, qui est fait et feuillage, vous dites vous-même. Hein. Nous, on dit feuillage de texte. Feuillage d'où de le texte. Théâtre des feuillants, voilà. Sûrement. Alors, la thématique, c'est Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, vécue par un personnage, une maladie qui lui fait faire des actes insensés. On est dans la voix de cet homme, dans l'esprit de cet homme. On est aussi dans le docteur Alzheimer qui a donné le nom à cette maladie. Et on est dans plusieurs récits comme ça qui se juxtaposent. On est surtout dans une sorte de... même pas une sorte, on est dans une poésie. On est complètement dans un langage poétique. Et moi d'ailleurs, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans ce projet, avant même la thématique d'Alzheimer qui est en fait pas... C'est le sujet, on va dire, mais la thématique, c'est d'abord l'écriture avec ce feuillage de texte, cette poésie, cette manière d'inventer aussi une parole oubliée ou d'un oubliant, parce que personne finalement n'est jamais revenu de la maladie d'Alzheimer pour nous dire comment ça se passe, et elle invente quelque chose, c'est forcément une proposition poétique. Et après, il y a ce mélange en fait de situations, donc, et parfois drôle, ou parce que ce que vit la femme de Monsieur T, donc, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ou par les commentaires de l'autrice qu'elle fait autour de l'oubli, parce que finalement le fil c'est l'oubli, notre relation à l'oubli, notre relation à la mémoire, et du coup elle parle aussi d'elle et de sa peur d'oublier et de notre peur collective d'oublier. Oui, oublier, disparaître, oublier des amis, oublier des gens qu'on a connus mais qui sont quand même encore en vie. Alors on a la chance, merci à Rebecca Meyer et Yuming He. On a demandé si on pouvait avoir un petit passage histoire qu'on ait un aperçu. Alors c'est pas du tout le spectacle évidemment, mais racontez-moi ce que vous allez faire. Rapprochez-vous du micro, Yuming, et dites-nous ce que vous avez choisi pour Radio en Mai. J'ai choisi un passage de Madame T, donc qui est la femme de Monsieur T, qui s'adresse en fait aux autres. Ce ne sera pas nécessaire. Je me débrouillerai seule. Il préfère rester à la maison, je le vois bien. Je le connais, il ne pourra pas s'habituer ailleurs. Je ne l'abandonnerai pas. Je le garderai à la maison, il est bien, il va bien. Des fois, il sourit. Il me répond, pas toujours, mais quelquefois. Il se rappelle ses voyages. Je lui montre les photos. Il va bien. Il est en forme, il sourit, il fait sa toilette et il mange. Je le garde à la maison. Je ne le laisserai pas partir. Je ne l'abandonnerai pas, je m'en voudrais trop. Et puis il n'aimerait pas, je le connais, il est très maniaque. Il n'aime pas les autres. Il restera ici. Il va bien. Il est chez lui, c'est rassurant. Je suis sûre que ça le rassure. Il me reconnaît encore, il s'habille seul. Il se promène avec moi dans la forêt, c'est bien. Nous aimons ça. Nous marchons. Il va bien, des fois même il parle. Il se souvient des choses d'avant, des événements où je ne suis pas, mais il se souvient avant moi. La tête marche encore. Des fois il parle et il sourit quand je redis des noms. Belém, Salvador, Rio et Buenos Aires. Je suis le trajet sur la carte, ça lui fait plaisir. Il sourit, je redis les noms. Il les reconnaît, je le vois dans ses yeux. Il est content, il va bien, il marche correctement, il s'habille, il mange. Je ne le laisserai pas partir. Je ne l'abandonnerai pas. Jamais. Non, je ne veux pas.
Je me débrouillerai seul, il préfère rester à la maison. Je le vois bien, je le connais, il ne pourra pas s'habituer ailleurs. Je ne l'abandonnerai pas, je le garderai à la maison. Il est bien, il va bien, des fois il sourit. Il me répond, il parle, pas toujours, mais quelquefois il se rappelle ses voyages. Je lui montre les photos, il va bien, il est en forme, il sourit, il fait sa toilette et il mange. Je le garde à la maison, c'est impossible. Je ne le laisserai pas partir, je ne l'abandonnerai pas, je m'en voudrais trop. Et puis il n'aimerait pas, je le connais, il est très maniaque. Il n'aime pas les autres, il aime sa maison, il reste, il va bien, il sourit. On ne peut pas forcer les gens, il faudrait lui demander ce qu'il pense. Il parle, ça lui arrive des fois, il dit ce qu'il a dans la tête. Il aime voyager, il se souvient de ses voyages, je lui montre les photos. On s'entendait bien tous les deux, c'était de très bons moments. Il sourit quand je lui en parle, il évoque aussi son ancienne femme, c'est pas grave, ça lui fait plaisir. Il me confond un peu des fois, je redis les noms. Belém, Salvador, Rio et Buenos Aires, je refais le trajet sur la carte, il s'en souvient. Je le vois dans ses yeux, ça lui fait plaisir, il est content, il va bien. Il marche correctement, il s'habille, il mange, je ne le laisserai pas partir. On va s'habituer l'un et l'autre. On va s'habituer l'un à l'autre. Ah bravo, c'est magnifique, c'est bien, c'est rapide, hein? C'est rapide, c'est un rythme, cette langue. Dites-moi comment vous la dites, vous, cette langue d'Olivia Rosenthal, dans le rythme, dans la présence, dans les différents personnages, dans les différentes propositions de langue qu'elle invente. Ce qui est assez génial, c'est que j'ai quand même la musique de Rebecca Mayer pour m'accompagner dans le rythme. Et après, Olivia, elle a écrit deux rythmes très différents. C'est Monsieur T qui perd la mémoire, donc tout est déconstruit. C'est complètement arythmique, pour le coup. Il y a des mots à la place de d'autres, il confond les mots et tout ça. Donc c'est tout un travail de mémoire et de parole qui se délie. Et après, il y a Madame T qui parle, et elle est sur un rythme ternaire. Donc c'est souvent trois mots à la suite, c'est beaucoup plus calme, elle essaie d'apaiser Monsieur T, et donc c'est pour le coup c'est un rythme que j'aime beaucoup et je me laisse vraiment porter par la musique et je dis juste le texte, et voilà. Donc c'est un travail musical en quelque sorte que vous avez l'impression de réaliser? C'est une vraie partition, oui, on a vraiment travaillé une partition avec Rebecca. Après on est très à l'écoute, donc selon ce qu'on fait, selon le public, comment il réagit, comment il écoute, tout ça bouge évidemment parce que c'est du spectacle vivant. Mais oui, c'est une partition. Ouais. Un spectacle atmosphérique, avec la rapidité des orages et des nuages qui se posent. Et Mathieu Touzé, on va finir par ça. Vous allez nous parler aussi du travail vidéo qui est fait, parce qu'en fait, vous nous placez dans un cocon. Un cocon qui serait le cerveau, qui serait notre pensée, qui pourrait être un espace, en tout cas, de suspension. En tout cas, l'objectif c'était de créer un voyage. C'est vrai que quand on était face à ce texte, la première chose qu'on s'est dit, c'est sur la méthode de travail. D'abord, on allait toujours le traverser en entier. Et en fait, on a essayé de comme lever une force, lever une rivière, un fleuve, et on essaye de trouver le chemin de ce fleuve et de l'organiser en fait. Donc c'est comme lever un souffle, et derrière on essaye de sculpter ce souffle. Donc oui, on travaille toujours comme un volume entier, et c'est vrai qu'assez vite tout le monde s'est mis à travailler ensemble dans une écoute. Rebecca, elle était là dès les premières lectures. Justine est arrivée aussi très vite. La créatrice vidéo, Justine Emma. Loris Lalouette et Renaud Lagier sont arrivés aussi assez rapidement. Et en fait, il y a une dramaturgie qui s'est aussi construite dans un dialogue avec chacun sa vision de par son prisme. Et ça, c'était assez passionnant. Et on a vraiment tuilé chaque chose ensemble, ce qui a créé parfois des tensions très rigolotes, surtout entre Justine Emma et les vidéos et Loris Lalouette. L'alouette et la lumière, puisqu'il faut moins de lumière pour faire des vidéos. Donc on a eu quelques combats en régie. Vous verrez qui les a gagnés. Et en tout cas, l'objectif, c'était c'est toujours de créer une atmosphère et d'en porter les gens quelque part, et aussi plus personnellement, je dirais, d'interroger le médium du théâtre et ce qu'on peut faire avec le théâtre. Où est-ce que ça peut nous emmener très très spécifiquement? Et là, on va, je pense, assez loin dans cette réflexion, et en utilisant pleinement les codes du théâtre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de naturalisme, Yuming joue tous les personnages, il y a de la musique tout le temps, il passe pas son temps à rentrer et à sortir, ni à s'installer autour d'une table à manger de la soupe. Et pour autant, je crois qu'on sort assez touché de ce spectacle, parfois même ému, voire bouleversé, je l'espère. Et donc ça marche par la magie du théâtre. Et c'est là où le théâtre, c'est un art vraiment très singulier, vraiment très spécifique, avec lequel on peut faire des trucs vraiment cool. Merci Mathieu Touzé. À bientôt.
Demain, j'espère. Le spectacle à voir au Théâtre des Feuillants. Merci à tous. Merci, merci Rebecca pour la merci musique. Beaucoup. Merci Youmin. Merci Mathieu. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au Théâtre Dijon-Bourgogne.